اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم والله مغني لخن خن يبوخ ديرا ونا مسلم يا دين انا خي اما سن خن مسلم يبرين غكير موتنا دن خي بي ديفيرام منا مخي تاغي مبار ما بيرين يي ما سوق الدين فينا مسلم يا غكير يا مغم ديفيران يو ساخ مغبور تاغي مغني لخن خن نانا مو خا ما لاني كوي ماريغا الغنس غياري نا خما سم ما جينيسي بي yandi birin khayi masuddin era wa makhutu basabe nanan sabari muslim ya wala khadei dunya kharan yemu nyaqo kharan yomu nyaqo me ina khanemu idafe rakil khana khamma ala na qur'ana kwi ana ha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun amungin nanu adama da khfefe ma fo abatufi ina bor kharan yiraba indira ba dine fanna ade mbabe nan khilma mbar ma fotna di babe nan na ganye gbe fe muna ni fe edi khande kulo dine ra ina na khe mbadi babe mubara ubirin khili yandi wonno ni o madi khande kulo qur'an ra al khawm fin dina di babe ra mbar ma ina ala masin igadi be afe kulum mana babe ra me hima ala masin abe ami kulum ma mba al khawn nakulun wonyetara mota mayamin nabe muhbirin kirim simuna be fisinge nan naki nana dangi muhumanga sayin khilmane mantoro liyende na wo mawumbirin na hankulo o mayamin yileri yamin nara nyama fa maden khe kifanyi mikhin ganyan salma yamin kui na yamin farma na kontibo na ganye salma yamin kui mba muhu mikfanyi birin kelmane afindi menga sanyira ba amufindi menga sanyira ba birin kha khunsa samurin ya yami malifi ma hafindi ma mugbe kuri nanna ade aibu birin nono khasabi mariga alham mugum khifanyi soto na ganye na ba mo mbe alhamdulillah rabbil alamin wonna folo na gamma mbar su ngor folo heri o mbara nyong heri o mbar salikena soto to heri bar mangetan ta barera na kan wonda Allah rabbeta fi wama simani ya lakwe. Imam anakam falaki mislimi ya konsera wumbe. Allah wumbira ame. Nala makandika nana Allah wumbira ame. Allah dimme ame. Abara biri fe fala. Abara yembe nyaka fe fala. Allah dimme ame. Ba wano wanyo se mko ma kiyoki. Ekele mene wangumma. Etamini. Fe nakanda bama na kwi wamuna kolo. On a la de la Guinée, on a 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 la Guinée. La prière qui vient de se passer à Tombolia, plateau, l'imam n'est pas passé par quatre chemins. La consigne qu'il a reçue a été transmise fidèlement. Dans la mesure où il a insisté là-dessus sur la cohésion sociale, qui fait partie de la devise guinéenne, la solidarité. Qu'on soit solidaire aux uns aux autres. Même si quelqu'un qui n'embrasse pas la religion musulmane comme nous et qui défend la vérité, on doit suivre la voie de la vérité dans le sens de la paix afin qu'il y ait la concorde, afin qu'il y ait le développement. Et que cela ne peut être une réalité que quand on veille sur la jeunesse, le baromètre de tout développement. Si la jeunesse est désœuvrée, si la jeunesse n'a pas d'emploi, si la jeunesse est mise à cause pour les intérêts égoïstes non affirmés, il va s'en dire que la Guinée ne va pas avancer. L'alcool, la drogue, ça se surtout la couche est en train de détruire notre jeunesse négativement. Et la chicha qui n'a pas été dite est aujourd'hui un fléau. La jeunesse croit que c'est un modèle alors que c'est un détriment. Et le mieux, la corruption. L'imam est parvenu à mettre un accent particulier, le concours. Dès qu'il y a un concours, que ce soit à l'intégration à la fonction publique ou encore moins à d'autres concours pour les contractuels, il ne faudrait pas que les responsables acceptent la corruption. La corruption est un acte banni, proscrit par Dieu le Tout-Puissant. Et nous venons de gêner. Le genre ne sera accepté que quand on va accomplir les actes heureux, heureux pour nous et pour la communauté.
Entre ensemble, l'imam a béni pour toute la communauté, dans la convivialité, dans la crainte et de l'amour divin, afin que la Guinée, le camp ne peut pas développer la Guinée si c'est nous-mêmes. Nous comptons sur Dieu et que nos devanciers reposent en paix. Je vous en prie. Moi, la Tanola, moi, la Barika Bola, à la Barika. À la Bessungala de Mama Kenealo, Kalaba Kenealo, moi, la Tanola, Mama Yamana Masaou Tanola, à la Mama Saou Bello, à la Kanasuita Nadoya, à la Kanasuita Namodoya. Et moi, je suis à Sikenena, Yamana Resuman, les Yamana Masuma, et c'est Kasikeneke, moi, la Barika Bola, moi, la Yine Barika Bola, Mama Masaou, moi, Menkete Juyala Dune, à la Masahina, à la Hakiri Jerema, Kaka New Mali, Kaka Yamanagne, moi, Taya Temolabi. Moi, je suis là. Moi, je suis là. 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 Je dis que ça s'est bien passé. Bon, la fête a été joyeuse. On était là. Tout le monde était bien. Et là, franchement, j'apprécie beaucoup la religion musulmane. Et puis, bon, là, on a très bien fait le sermon. L'imam a bien interprété ce qu'il avait à dire. Au fait, là, actuellement, la jeunesse d'aujourd'hui, on doit faire beaucoup attention. Vu que l'état d'aujourd'hui de la Guinée, actuellement, il y a tellement de drogues, il y a tellement de bandits. Au fait, tout ça, on doit éradiquer. Donc, malgré les circonstances de la Guinée actuellement, moi, je conseille tout le monde à revenir sur la raison et puis faire du sérieux, en même temps s'occuper de la famille, surtout nos parents. Parce qu'actuellement, tout le monde sait que rien ne va très bien. Donc on doit s'abstenir, faire du sérieux et accomplir nos devoirs. Un bon message, ça a été un bon conseil, surtout pour la jeunesse qui est actuellement dans la drogue et dans l'alcool. C'est un bon conseil pour nous, pour la jeunesse. Et nous prions Dieu que la fête de l'année prochaine arrive en santé, que nous avons aussi du travail. Alhamdoulilah, nous rendons grâce au Tout-Puissant Allah parce que nous avions passé les 29 jours du mois saint de Ramadan dans la santé auprès des personnes auxquelles nous tenons la famille. Donc la première impression c'est de rendre grâce à Dieu et implorer la même grâce qu'il nous accorde l'année prochaine dans la santé, la longévité et la prospérité. La fête s'est très bien passée avec la petite touche qui a été observée lors de la prière, notamment la présence des agents de police, les journalistes, ce qui n'est pas habituel. Donc nous ne pouvons qu'apprécier ce geste et souhaitons que cela perdure. Ce que moi je peux lancer comme message à l'endroit de la jeunesse de la Guinée, tout d'abord, c'est de prendre conscience du contexte actuel
du pays. Nous sommes en train de vivre une transition. Donc, c'est normalement un moment très éphémère. Donc, que chacun puisse l'observer de la plus belle des manières, que nous les accompagnons pour qu'ils puissent passer cette transition dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions.